salue hein, l'amendement de notre collègue Philippe Dunoyer et je tiens à le remercier pour son concours lors de ma mission d'évaluation, puisque nous avons effectué de nombreuses auditions sur le sujet de l'outre-mer. Donc évidemment, j'émets un avis très favorable à cet amendement, puisque cette loi doit valoir évidemment pour tous les mineurs du territoire national. Monsieur le ministre, même avis ? Oui, mais si vous me le permettez, monsieur le président, ça doit évidemment valoir pour l'ensemble du territoire, l'ensemble des territoires de la République. Mais je pense qu'il y a, probablement, je dis ça aussi devant une collègue de La Réunion, probablement une problématique spécifique sur les DOM-TOM, sur les DROM, sur l'outre-mer, voilà, sur lequel il faudra se pencher. Vous avez un garçon qui s'appelle Sébastien Bouer, que vous connaissez probablement, qui est président d'une association qui s'appelle Colosse au pied d'argile, hein, qui a été plusieurs fois notamment en Polynésie française. Et la question des Outre-mer fait partie d'un des sujets sur lesquels j'ai demandé à la commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste de porter une attention. Voilà. Donc je voulais le partager avec vous. Et donc c'est un avis favorable sur cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Donc sur les doubles avis favorables, je mets aux voix donc l'amendement 32 qui est pour, contre, il est adopté.